Qui a dit il y a toujours une part de hasard dans un tirage au sort? Non, c'était le tirage au sort de la semaine dernière. Non, pas Deschamps. Le Gret. On s'approche, le Gret. Le Gret, donc pour Julien, tu es sûr, c'est Julien? Le Gret, oui, bien sûr. Très bien. Moi, c'est Julien. Après, je sais pas comment vous m'appelez, mais moi, je m'appelle Julien. 1-0 pour Thierry, donc. Question auditeur, contre qui jouera l'équipe de France de football le 9 juin 2016 à l'Euro? La Roumanie? Non. L'Albanie? Non. La Suisse? Non plus. Qu'est-ce que tu as dit, Thierry? La Suisse? Non plus. Le 9 juin? L'Albanie? Le 9 juin. 9 juin? 9 juin 2016. Romuel, Thierry? Albanie, la Roumanie. C'est pas la Roumanie, c'est pas l'Albanie, c'est pas la Suisse. Donc c'est contre qui on joue? La cloche. La Hollande. Moi je vous donne un indice, c'est digne du vice d'Adrien. Oui, oh ouais, les gars, oh. Thierry, merde. Alors oui. Romuel. Thierry, tu as dit quoi? Bah moi j'ai dit la Suisse quoi. Mais non. On va annuler le point puisque tout le monde a la bonne réponse. Personne. Le match d'ouverture, c'est le 10, 10 juin. Les gars, le 9, personne ne joue. Là, il y a des prix Nobel, les gars. Il s'égouinise. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il fallait pas prendre des mecs niveau CCPN. Prenez un merdé. Donc, on en reste à 1-0 pour Thierry. Qui a dit j'ai tenté, mais ça n'est pas passé? C'est Dimeco. Les parents n'étaient pas d'accord. C'était hier. Ça s'est passé hier. Carter. En France. Abramovic. Manonou. Manonou. J'ai tenté. Mais ça n'est pas passé. Peturo. Non, ce n'est pas Peturo, on n'est pas loin. Non, ce n'est pas Lizou. Lizou. Grange. Grange, oui, pour Eric. Yes. Putain, faut le voir. Dit des questions de sport. Faut le voir pour le croire. Un partout entre Romuel et Thierry. Du sport, alors, qui a dit j'ai failli démissionner? Platini. Non. Thierry. Non, ce n'est pas Thierry. Ce n'est pas du... C'est Yannick Noah, c'était dans Tennis Magazine ce week-end. Bravo, mon poulet. Bravo, Julien Cazard. Qui redonne l'avantage à Thierry. Quand il joue avec le patron, lui. Mais c'est fou ce truc, Eric. Mais tu seras casqué, Julien, même si tu réponds pas. Non, c'est pas sûr. C'est un mystère à éclaircir. Tu rends mauvais tes coéquipiers. Bah parce que tu les mais c'est la pression. Ou alors, lui, il est rend bon parce que les. Pardi, quoi. Tu dois les casquer un peu plus que nous. Mais voilà, et pardi. 2-1 pour Thierry. T'es bêtis sur les bons canassos. Face à Romuel. On continue. Qui a dit j'avais les poumons en feu? Fourcade. Non. Vincent Moscato. Non, ça s'est passé ce week-end aussi, ce n'est pas Vincent. Manodou. Non. Carter. Bien sûr, puisque c'est son premier match. T'as une excuse, c'est pas du rugby. Vincent. Excuse-moi. La question rugby, moi je. Daniel Carter, qui est l'invité exceptionnel de Direct La Porte à 20h. Tu crois que quoi? De partout, entre Romuel et Thierry. Qui a dit pour moi, il est l'homme du match? Lorenzetti. C'est quelqu'un qui n'est plus dans son sport, qui est devenu consultant. Ce n'est pas Lafont. Dugarry. Non, Pierre Ménès. C'est du football. Ah, c'est du football. On peut redire nous la pour Joss. Moi, il est l'homme du match. Et Lille, c'était Olivier Giroud. Qui a dit Pires. Ce n'est pas Robert Pires. Lizarazu. Non, on s'en rapproche avec Pires. C'était Bonia. Le même club, c'était l'Angleterre. Pierre. Non. Petit, Thierry Henry. Ah, mais oui, je l'ai lu en plus, mais il c'est moi. Ah, ouais, c'est Jacques. Julien. Alors, Fred me dit, c'est Julien Cazard. Julien d'un souffle. Le problème, c'est que le temps que ça arrive à ton cerveau et que toi, tu t'entends parler. Tu fais 95, Jacques, c'est parti des talons. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs des commotions cérébrales dans le basket. Mais toi, tu sais, t'as le cerveau vachement bas. Tu as le cerveau au niveau des burnes. Donc, le temps que ça remonte, c'est 95. Ça, c'est un gros mot. Ah, excusez-moi. Attention au point de suspension. Pardon, Julien Lepers. Pardon. 3-2 pour Thierry. Et il reste 5 minutes. Donc, tout est possible. Un duel. Vincent Moscato, Eric Dimeco, qui a dit c'est un grand honneur pour moi. Le Gret. Non, ça s'est passé ce week-end, c'est un sportif qui était distingué, c'était la première fois de sa carrière qui recevait cette distinction. Non, ce n'est pas Fourcade. Ce n'est pas Fourcade, ce n'est pas un Français. On a un peu parlé de lui tout à l'heure dans l'émission, parce qu'il a affronté les Français il y a quelques mois. Carter. Non. Federer, Wawrinka. Wawrinka, il a été nul, putain. Sportif suisse de l'année. Ah oui, pas payé. Pas de cohésion. Tu rigoles encore une fois, t'es pas payé. Pas de cohésion. T'es condamné à la lipette. T'es condamné à la lipette en ce moment. Pour le moment, c'est 3-3, mais nous. 3-3. Non, mais écoute-moi, on va le signaler quand t'es carreau, toi aussi, quand tu prends un carreau pointé. Quand il fait, à ce moment, comme à l'école, ma maîtresse, c'est moi qui ai répondu. Quel faillot, non, mais bon. Viens, on joue que tous les deux, Julien. On joue pas avec lui. Allez, vas-y. Attention, messieurs.
On s'approche du Money Time. Tu veux rester stagiaire jusqu'à 45 ans? Vincent, méfie-toi parce que t'as pas Adrien là, t'as Morgane. Morgane, il démarre rapidement. C'est un judoka. Il utilise ta force pour. Et j'aimerais bien le voir te crever. On a déjà fait un match. On a déjà fait un match. Match nul. Tu m'as tué. Qui a dit si tu l'emmènes dans une soirée au loto, le carton plein, c'est Combis, pas pour le voisin. Putain, Courbis, ça j'allais le dire, il me le vole. Ça aussi, Combis, c'est un gros mot. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est Vincent qui parlait de Kevin. C'est Vincent qui l'a dit en premier. Oui, merci. C'est Vincent qui l'a dit en premier, donc le point va à Thierry. Thierry, voilà. Par contre, Thierry, t'as fait au moins un coup d'auditeur. Thierry, tu nous fais le gagner. Oui, 4 à 3, il y avait 3. 4 à 3, là, bien sûr. Ça vient d'arriver, c'est 4 à 3, c'est bon. Ça y est, c'est cool. Ok, une question. Thierry, allez, bouge-toi un peu. Question auditeur, j'ai trouvé un moyen de sauver mes cheveux. Qui a dit, j'ai trouvé un moyen de sauver mes cheveux? Romuald, putain. Non. C'est ce week-end, ça s'est passé ce week-end aussi. Allez. Un joueur qui a une belle tignasse. Qui est brésilien. David Silva. Oui, Romuald. Bien joué, Lino. C'est Thierry qui a dit à David Luiz. C'est qu'à chaque fois. Mais non, il a dit Diego Silva. Il y a David Silva. David Silva, il a dit. Taisez-vous, c'est Romuald qui a dit. Bien sûr. Ça fait 4 partout entre Romuald et Thierry. Il reste 2 minutes 30. Tu sens pas arriver le truc, Vincent? Je sens que la carotte commence à piquer. Qui est né un 14 décembre? Oh, oh, le Nicolas Batum. Nicolas Batum pour Jacques. Oui, Jacques. Alors, kicker, il arrête de kicker. Non, non, on arrête pas. Tu sais, Morgane, il t'aimait pas, Vincent, déjà. Il t'aimait pas. Hein. Kicker, mais alors là, j'avoue que c'est chaud pour toi, Morgane. Il t'aimait pas. Kicker, toi. Là, tu nous fais kicker, là, t'arrives comme ça. T'as pas fait l'émission depuis 3 mois, tu nous fais kicker. C'est ta médiocrité, t'as qu'à faire Vincent. T'as qu'à faire un qui mon cul aussi. Allez. Et donc, un kick est mort. T'as pas un kick est mort. Pour Eric. Question pour Eric. Le jeu des 20 secondes attends, pour attends, Eric. Juste le score à 2 minutes de la fin pour la première fois. Romuald prend la tête avec 5-4. Donc pour Romuald. La tête à Eric, 500 points. Cite-moi les buteurs du PSG hier soir lors de la victoire oh face non. à Lyon. Ah, oh non. Ibrahimovic deux fois. Cavani, Lucas et qui c'est le dernier, le cinquième, merde. Aurier, pardon. Bonne réponse. Bon. Ah, bon, bon, bien sûr. Toi, ouais. Mais non, mais c'est son équipe de cœur, ça ouais, compte pas. Bien sûr, ouais. 4. En tout cas, ça fait 2 ans, 4 ans, 5 ans maintenant qu'il est supporter du PSG. Ah, c'est vrai que c'est pas lui qui s'est qu'à marquer ce week-end avec l'OM, il sait pas. Hein, il y a 10 jours, il sait pas. Hein, allez, enchaîne. Vincent, question pour toi sur ton club de cœur, Clermont. Quelles sont les équipes qui sont dans la même poule de Clermont en Coupe d'Europe? Ah, tu peux pas me faire ça. tu veux te faire virer? Moi, je vais me représenter de suite, frérot. Je t'avertis. Mais essaye, au moins. Petit merdeux, mais qui? Réfléchis. Worcester. Leicester. Warthog. Non, Nottingham Palace et Crystal Park, mes reflets. Mais pourquoi tu me poses cette question? Putain, tu remplaces Adrien. Déjà, je suis gentil que tu remplaces Adrien. Et tu me baises. Allez, c'est mort, c'est allez, cuit. Allez, tu dégages, tu 7 à 4, c'est donc un triomphe. Tu reviendras pas de 9e semaine. Pour un Romuald.